Genève, Astana et Sotchi sont devenus synonymes pour les Syriens et la communauté internationale des discussions pour l'avenir du pays. Les pourparlers de paix pour la Syrie, initiés par l'ONU à Genève, visent à poursuivre les négociations de paix entre le gouvernement syrien et l'opposition. Les négociations se focalisent sur les quatre paniers, incluant une nouvelle constitution et gouvernance, de nouvelles élections et la lutte contre le terrorisme. Le principal point des discussions d'Astana est d'établir un accord de cessez-le-feu. Avec la Russie et la Turquie jouant le rôle de garant, les pourparlers d'Astana visent à établir quatre zones de désescalade, principalement dans les régions tenues par l'opposition. La ville russe de Sotchi, située sur les bords de la mer Noire, est la dernière addition sur la liste des lieux organisant des pourparlers de paix. Moscou a étendu le cercle des candidats invités à plus de 1000 politiciens afin de former un comité constitutionnel. La constitution syrienne, les élections et les 12 principes de l'avenir du pays seront les principaux sujets à aborder. Des années de discussions diplomatiques ont passé et la délégation du gouvernement syrien et les groupes d'opposition armée ne semblent toujours pas prêts à conclure un accord.